Bonjour, je voulais confier à vos prières Gino. Gino, on a déjà prié pour lui. Il est tellement, tellement gentil. C'est vraiment notre ami. On est très, très content de le voir. Quand on l'a vu, il a bondi et puis il nous a accueillis à bras ouverts. C'était drôle parce que, exceptionnellement, on était une équipe de deux femmes. En général, il y a toujours un homme, mais hier soir, il manquait d'hommes. Donc, on est parties toutes les deux. Et puis, voilà, quand il nous a vus arriver, il était super content. Il nous a pris chacune dans ses bras. Il nous a embrassés tout en pleurant d'émotion. C'était assez amusant d'ailleurs de voir comment les gens dans les rames de métro et sur le quai nous regardaient. Parce que vous dire quand même que Gino, il est particulièrement sale. Et qu'il n'est pas très... On n'a pas tellement envie de s'approcher, mais il a un cœur tellement grand que nous, on l'adore. Donc, il a une immense barbe et puis il est vraiment, vraiment très, très, très sale. Donc, bon, peu importe, on était trop contents. Et voilà, après, il s'est assis, puis il a beaucoup pleuré. Et on sentait qu'on a d'abord... Il voulait absolument qu'on prie tout de suite, ensemble, debout. Et on était à peine arrivés, il voulait qu'on prie. Puis après, c'était difficile parce que il y avait vraiment une grande souffrance. Il en a marre de la vie qu'il mène. Il voudrait pouvoir changer de vie. Voilà, c'est super difficile. Donc voilà, je le confie à vos prières. On est totalement impuissants et on peut remettre ça au Seigneur. Voilà, merci de votre aide. Merci. L'air patoé, les yeux mi-clos. Il marche dans ce monde hostile, fait de mannequins et de héros. On dit de lui...